bientôt des meurtres. Les cadavres se montaient à 30 piles hier. 10, rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs. Parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo. Encore des nets honneurs occupés à trouer le réseau électrique. Tandis que dans les rues de Westbrook, la traumatisme décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Et à Pacifica, eh bien, Pacifica reste Pacifica. C'était votre ami Stan. Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Début du live dans sa main.
Rebonsoir, donc on se retrouve à nouveau ce soir, donc cette fois-ci non pas sur Resident Evil 8 Village, mais sur Cyberpunk 2077, parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, juste avant, on était en live sur Resident 8, donc Village, donc sur la démo de RE8, et là on l'a fini. Parce que en fait on est limité à 30 minutes pour la démo et on avait jusqu'à ce soir à 3h du matin pour jouer ces 30 minutes là. Donc là on va continuer du coup, en profiter pour continuer Cyberpunk hein, parce qu'il n'est pas encore très tard et qu'il est 1h30 du matin et que là de toute manière j'ai du temps demain donc je peux me permettre de stream jusqu'à au moins 4h du mat, voire 5h. Je crois que hier sur Cyberpunk 2077, j'étais parti pour stream un peu plus longtemps, mais en fait, pour ceux qui étaient avec moi à ce moment-là, peut-être que ça vous a paru abrupt cette fin de live, mais en fait, il y a eu un crash du jeu. Et oui, notre première crash sur Cyberpunk 2077 s'est effectuée. Il était tard le matin, je me suis dit, ah c'est bon, j'avais sauvegardé juste avant, je me suis dit, ah c'est bon, on va laisser le live là où ce qu'il en était, on va le reprendre là aujourd'hui, maintenant, donc là où est-ce qu'on, en espérant que c'est pas une zone qui va crash sans arrêt à ce moment-là, du coup voilà. Donc ce soir, Crick, je ne sais pas s'il va nous rejoindre. En tout cas, Crix, MZ Crix, est indisponible. Voilà. Donc, hier d'ailleurs, je fais un petit coucou à Galaxy Mishima P5 qui nous a rejoint et qui nous a follow hier. Hein. Donc il a un peu parlé en chat textuel avec nous, enfin avec moi en tout cas. Ça faisait plaisir de voir quelqu'un qui avait rejoint du coup la chaîne Twitch. Pour ceux qui ne le sauraient pas, n'hésitez pas également à aller vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petits j'aime et à partager ainsi que la chaîne Twitch et à follow parce qu'en fait on est également sur YouTube hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on est également sur YouTube, voilà. Donc je sais aussi que vous êtes pas mal à regarder les rediffusions sur Twitch. J'ai vu ça, hein, vous êtes pas mal quand même. Donc si jamais vous faites également partie des personnes qui regardent en rediffusion sur Twitch, sachez que on a une chaîne YouTube. Donc moi, enfin en fait, c'est essentiellement moi qui la gère. Donc du coup c'est pour ça que c'est mon pseudo. Donc c'est non pas cette fois-ci The Gamer Wolf LG, c'est Tenokami. Donc de toute manière, si vous venez sur mon profil Twitch The Gamer Wolf LG, vous avez un lien qui redirige vers cette chaîne YouTube là. Donc c'est Tenokami. Vous avez également un serveur Discord que vous pouvez accéder via normalement Twitch ou bien même la chaîne YouTube. Il y a un lien, si vous regardez bien. Dans la description de la chaîne ou même dans la page principale de la chaîne YouTube et aussi dans la homepage de la page Twitch, vous avez un lien qui vous dirige vers le serveur Discord. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, après n'hésitez pas à les poser. Hein. Donc là on va continuer. J'ai vu que Cyberpunk 2077 en rediff a eu le meilleur démarrage. Canon, hein, il a eu le meilleur démarrage au niveau au niveau du visionnage des rediffusions. C'est lui qui a eu le démarrage le plus rapide en moins de 24 heures. Et c'est lui le plus rapide. Final Fantasy a pas mal de vues également, mais en rediffusion, mais moins. Il a fait à peu près les mêmes scores que Cyberpunk, mais généralement il le fait en 24 heures, enfin au-delà des 24 heures. C'est-à-dire les premières 24 heures, il est plutôt vers les 10 vues, les 10-15 vues. Après, au bout de 48 heures ou 78 heures, il atteint plutôt la trentaine de vues. Cyberpunk, c'est direct le départ sur les chapeaux de roue. Visiblement, ça vous a plu. Donc, je pense peut-être mettre plus rapidement les rediffs Cyberpunk sur YouTube, étant donné qu'elle marche mieux
au démarrage. Je ne sais pas si ça va se continuer sur le temps. De toute manière, je les ne supprime pas sur Twitch. Hein. Elles restent également sur Twitch. C'est juste qu'elles, je les laisse le temps qu'elles peuvent durer, donc les 2 semaines. C'est juste qu'à un moment, elles seront forcément enlevées par Twitch. C'est pour ça que je les mets ensuite sur YouTube. Pour Final Fantasy, j'attends un petit peu, parce que je sais qu'il y a des personnes qui les ont pas vues, et c'est aussi le temps, parce que et je ne sais pas s'il faut que je les édite ou pas, parce que des fois, on se lâche un peu sur FF7 Remake, hein, on se lâche un peu. Cyberpunk, on devrait peut-être se lâcher, mais là, pour l'instant, comme en ce moment... hier, il y avait Krix qui était avec nous, que le début du live, il nous a rejoint. Enfin, il nous a rejoint au début. On attendait Krix. Krix était indisponible finalement, donc il a pas pu nous rejoindre. Et Krix, lui, MZ Krix, du coup, il était avec moi. On discutait un peu. Après, c'était assez calme parce qu'on faisait la création de personnages et tout ça. Donc, c'était encore le début du jeu. C'était l'introduction. On n'a toujours pas fini l'introduction. Hein. L'introduction qui dure 4 heures ou 5 heures, un truc comme ça. En fait, vous avez une phase tuto et ensuite vous avez la phase de comment dire, découverte du monde. Dans cette intro, en fait, ils ont fait une très longue intro de 5 heures, et là on est à la fin. Apparemment, on est vers la fin selon Galaxy Mishima, donc on verra ça. Tac, je bois un petit coup. Donc là, on est parti. Voilà. On va voir là où est-ce que ça crache. Enfin, j'avais sauvegardé juste avant. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City? Il a été baptisé Kujira, la baleine. Apparemment, la Corpo l'estimait menacé dans les eaux japonaises. Il craignait que des pêcheurs locaux... le harponne pour mener des recherches scientifiques. Non, là, franchement, c'est assez osé. Je sais pas comment Militech va réagir. Myers va peut-être envoyer une vieille forteresse volante B-17 survoler le siège d'Arasaka. Oh, je vais peut-être un peu trop loin. Je ne voudrais offenser personne. Je voulais dire la présidente Myers, bien sûr. Dans tous les cas, il faut respecter la fonction. Quoi qu'il en soit... Ok, ouais, pas mal, pas mal. Ouais, voilà, donc on est à ce moment-là, quand j'avais sauvegardé. Jusque-là, tout va bien. Je vais juste checker la batterie de la manette. Faut que je la remette à recharger à nouveau. Elle a pas eu le temps de se recharger pleinement durant RE8 parce que comme RE8 utilisait pas mal les vibrations et tout ça, donc elle a pas pu se recharger à fond. Voilà. Ah voilà, c'était par ici que ça avait crash. Oh, ça va du coup. Ah, je pense que c'est juste le jeu, le moteur qui a lâché. Parce qu'en soi, il n'y avait pas de raison apparente. Hein. Ah, c'était juste là, peut-être, je sais plus.
Tac, alors. Mince. Tengo planes para esta noche. Bien, santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. C'est pas trop tôt, chica. On dirait que tu viens de courir un marathon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je bosse comme merque depuis des années, mais ça me file toujours des suies de parler à ma mère. Elle peut pas s'en empêcher. Il faut qu'elle vérifie si je suis pas mort au fond d'une benne, comme presque tous les gars de la famille Wells. J'en peux plus de tout ça. Plus je lui dis que ça va, plus j'ai l'impression de lui mentir comme un arracheur de dents. Mais demain, ce sera l'histoire ancienne. Afterlife, nous voilà. C'est marrant. Et quoi? Pour un club qui propose les contrats les plus chauds de la ville, il est pas si impressionnant. C'est ce qu'il y a dedans qui compte, Choum. Prête à prendre une claque? Allez! C'était une morgue ici avant. C'est dingue, non? Ouais, pas croyable. Je t'assure, c'était bien avant notre époque, quand on faisait encore de vrais enterrements. Vous êtes qui, les deux clowns? Je m'appelle V. Lui, c'est Jackie Wells. Et c'est censé me dire quelque chose. Ça devrait pas tarder. On vient voir Dex. Hé, hey Dex. J'ai deux tombins qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Ouais? Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un verre. Pas la peine de nous le dire, Viejo. Yeah. La meilleure perme de ma vie. Cœur de Night City. Juste là. Tu l'entends? T'imagines un peu? Susan Forrest, Boa Boa, peut-être même Morgan Blackhand. Ils ont posé leur cul sur ces tabourets. Roupi. On dirait que c'est notre tour. Tu vois la vieille là-bas? C'est Rogue, la meilleure fixeur de tout Night City. Je croyais que c'était Dex le meilleur. Pff, Rogue montait déjà des opérations quand Dex chie encore dans ses couches. Cet endroit lui appartient. Qu'est-ce que je vous sers? Vas-y, commande. Deux tequila old fashion avec un trait de cerveza et un piment. De Johnny Silverhand, c'est parti. C'est ça, chica. Il y en a un qui a fait ses devoirs. Le chien a dû manger les miens. C'est une tradition. Nos cocktails portent les noms de nos habitudes. Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, faudrait que je fasse quoi? Te faire buter. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Ah, j'adore cette tradition. À ça. Chingada madre. Ok, comme tu veux. Qui d'autre a eu droit à son cocktail? Ils sont tous à la carte. Il en manque quand même un. Morgan Blackhand, non? Pas faux. Morgan n'a pas encore décidé s'il était mort ou bien vivant. Ouais, personne sait ce qu'il est devenu.
crois qu'il est toujours en vie, après toutes ces années. Pourquoi pas? Regardez Rogue. Les gens de cette époque, c'est une espèce à part. J'imagine que c'est pas si cher payé pour entrer dans l'histoire. Mais faut d'abord mener une vie de légende, hein. La mort, c'est juste le bouquet final. Ah, et au fait, je m'appelle Jackie Wells. Tu veux écrire Marcette? Bien sûr. Un shot de vodka on the rocks, jus de citron vert et ginger beer. Et le plus important, un peu d'amour. Je m'en souviendrai. Il paraît que vous êtes les dernières recrues de Dex. On bosse ensemble, c'est tout. Monsieur DeShawn va vous recevoir. Comment tu sais ça? Ça fait partie de mon boulot. Comment tu crois que les mercs forgent leur répute? En répandant des ragots comme des lycéennes en chaleur. Voilà comment. Dex, c'est un habitué? Il vient souvent? Il avait un peu disparu de la circulation. Il a pas pointé son nez ici pendant presque 2 ans. Un fauve doit suivre sa propre voie, non? Ouais, bon, check juste si vous m'entendez bien. Il a bien fondu. Vous livrez peut-être pas de pizza là-bas, en fin de compte. C'est pas le moment de te mettre à chier dans ton froc, Jim. Allez. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner en tout cas. Bon bah je vous dis merde. Merci. Putain, Choum, t'es massif! Tu fais du sport? Ouais. Moi aussi, de la boxe. Tu fais des trucs exotiques, genre Kenpo ou Ninjutsu? Ouais. Tu crois que t'arriverais à m'étendre? Hein? Entrez là! C'était pinche type, hein. Voyons, voyons. Excelsior, c'est ça. En cache comme d'habitude. Bon, je dois y aller. Tiens, tiens, mais c'est Miss D. Toute la famille au grand complet. Ah, enfin. Une première dans l'espace réel. Et le Flathead? Voyons voir ce petit gars. Allô? Posez vos culs confortablement. Cool pour ton aide dans la planque de désosseur. Quelques charognards de moi, la ville s'en portera pas plus mal. La mairie devrait carrément nous remercier. C'est un peu... ouais. Chouette cabine, elle est insonorisée. Jackie. Allons, allons, monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à Miss V. Comment ça s'est passé avec Evelyn Parker? Allô? Plutôt bien, je dirais. J'ai visité l'intérieur du Konpeki Plaza grâce à la déesse brute qu'elle a tournée. Bug m'a déjà expliqué ça. Vous connaissez la cible, alors? Yorinobu Arasaka, le fils de l'empereur et l'héritier probable. Un homme dont le nom en vaut des millions, mais sans un brin de talent. Le grand ami d'Evelyn Parker. Alors, elle voulait juste dire bonjour ou y avait autre chose? Cette Parker... elle envoie des messages contradictoires. Je sais pas trop quoi penser. Un soir, elle boit du champ Paradise avec Yorinobu. Le lendemain, elle discute avec les régulières du Lidziz. Ces deux mondes vont pas ensemble. Ça m'a frappé aussi. Si tu ajoutes 2 et 2 et que ça fait 5, ça veut clairement dire qu'il te manque une partie de l'équation.
C'est pour ça que vous avez un fixeur. Si quelqu'un essaie de vous baiser, il aura d'abord affaire aux 150 kilos de Dex de Shawn. Autre chose ? Je crois qu'elle voulait juste voir ce que j'avais dans le ventre. Ce que t'avais dans le ventre ? Et si on parlait plutôt du plan ? Vous avez prévu quoi, Dex ? Ça. Ok, alors c'est parti. Dex et moi, on a déjà planifié tous les détails. Cette opération devrait être une vraie balade. Développe. Je voudrais en savoir plus. Une de la main vous déposera devant le Konpeki Plaza. Vous entrerez tranquillement grâce à vos fausses identités. Après, avec l'aide de Bug, vous piraterez le sous-réseau de l'hôtel. Mon aide est celle du Flathead. Pour finir, vous vous introduirez dans le penthouse de Yorinobu et vous volerez la relique. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Vous serez en lien avec T-Bug. D'accord. Allez, j'attends vos questions. On va prendre une de la main. La compagnie de taxi la plus premiose de Night City. Nada mal. De Shawn ne travaille qu'avec les meilleurs, et pour moi, de la main en fait partie. Pourquoi s'emmerder avec un chauffeur de taxi trop curieux, quand une IA peut nous mener du point A au point B avec classe ? Le mystère, c'est comment il arrive à renouveler son permis tous les ans. Si tout se passe comme prévu, de la main vous ramènera ici. Si les choses se gâtent, il vous conduira à la planque. Laquelle ? Le Notel Motel, un endroit calme où on pose pas de questions. On réfléchira à la suite une fois là-bas, mais je suis sûr que ça sera pas nécessaire. Autre chose ? Parlez-nous de nos nouvelles identités. Ce sera quoi notre couverture ? Toi, tu es Ramon Victorino, et toi, Anna Conwell. Ramon ? Et on dit qu'on est là pour quoi ? Pour affaire. Une vente d'armes à une corpo. Si on vous demande, vous venez pour une réunion bidon avec le représentant de la défense d'Arasaka, Haji Metaki. Autre chose ? On entre comment dans le penthouse ? Yorinobu a presque pas de mignon. Le plus dur, ce sera la sécurité du penthouse. Pour la désactiver, faudra neutraliser le résident du Konpeki, un être honneur d'élite qui surveille le sous-réseau de l'hôtel 24 heures sur 24. Le souci, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'entrer dans la planque du résident de l'extérieur. Attends. Comment tu veux qu'on entre dans cette pièce s'il n'y a aucun accès ? Croyez-moi, T-Bug a déjà résolu tous les problèmes que vous pourriez trouver. C'est là que le Flathead entre en scène. Vous devez l'introduire dans les conduits de ventilation, le guider jusqu'au résident et forcer Steve à prendre une pause. Le Flathead restera là-bas, connecté au résident, mais ça me permettra de vous dérouler le tapis rouge jusque dans le penthouse. Autre chose ? Je crois que j'ai tout compris. Parfait. J'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment ? Pour les nouveaux, la part est toujours la même et non négociable. 30%. 30 ? Sérieux ? Tout le monde prend des risques dans cette histoire. C'est ce que valent les vôtres, d'après moi. Ça pue la merde, tout ça. Ça sent l'embrouille. Sérieux, Dex ? Ça fait pas grand-chose, là, non ? Eh, attends un peu. Qui a récupéré le Flathead ? Qui a extrait les infos de la danse sensorielle ? Et qui va se pointer dans un hôtel bourré d'hommes d'Arasaka pour piquer un gadget au fils du Big Boss ? Sans nous, y a pas d'opération. Et qui vous fournit le transport ? Une netrunner balèze, un plan en béton et toutes les infos. Vous êtes sûr de vouloir jouer à ça ? Jack a raison, Dex. On peut pas se contenter de 30%. On mérite plus. D'accord. 35 et c'est ma dernière offre. Je m'en contenterai. On est bon. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas tenu tête. C'est plutôt drôle, en fait. Une dernière chose, le Konpeki a une politique anti-armes très stricte. Portail de sécurité et tout tralala. Alors vous laisserez vos cracheurs dans la caisse et vous entrerez avec le Flathead dans sa mallette. On a aussi des costumes pro pour que vous vous fondiez dans le décor. Chido. Merci, Bug. Bon, je veux pas faire le rapia. Mais quand est-ce qu'on aura nos édits ? Tous
dépendra de Miss Parker, mais je dirais d'ici une semaine, maximum deux. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On se tourne les pouces? Vous attendez, vous faites profil bas, parce qu'Arasaka a des yeux partout. Bien, comme disait ce vieux type en Grèce, la vie est un banquet. Faut pas se priver, mais faut pas finir ivre mort. Votre carrosse vous attend dehors. Bon, je décolle aussi. Je dois me connecter, histoire d'être prête quand vous me contacterez. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ce plan, t'en penses quoi? J'espère bien qu'il suffira à me payer une villa de luxe en Crète, d'où j'aurai plus jamais à mettre les pieds dans le cyberespace. Tu m'enverras une carte postale? Désolée, mais je compte bien couper les ponts avec tout le monde. Changer de vie. Ça fait longtemps que vous vous connaissez avec Dex? Pourquoi? Ah, tu sais, il y a plusieurs sons de cloche. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. C'est de Marc Aurèle, je crois. Dex et toi, vous êtes deux philosophes. Pas étonnant que vous soyez potes. C'est bon pour moi. Allez, au boulot. Alors t'es prête? On y va? Avant, j'ai un truc à régler. Sin problemas. On se retrouve près de la Delamain. Oublie pas de mettre ton costume. Alors oui, voilà, c'était ça que je devais faire. Régler les aptitudes. Déverrouille le Daemon Sommeil qui désactive toutes les caméras du réseau pendant 3 minutes. Vulnérabilité de masse. Déverrouille le Daemon Vulnérabilité de masse qui réduit la résistance physique de tous les ennemis du réseau de 30% pendant 3 minutes. Ok, ça y est presque, augmente le temps de piratage du protocole de piratage de 20%. Augmente le temps de piratage du protocole de piratage de 50% plus 5% par niveau d'avantage. Vulnérabilité de masse résistance, améliore le Daemon de vulnérabilité de masse, réduisant toutes les résistances des ennemis sur le réseau de 30%. Améliore le Daemon, alors data mining avancé, améliore le Daemon data mining et augmente la quantité d'euros dollars obtenus via les points d'accès de 50%. Interface réseau étendue. Identifie automatiquement les points d'accès à proximité. Les verrues, les Daemon dompteurs de tourelles qui vous permet de faire passer en mode amical toutes les tourelles du réseau pendant 3 minutes. Améliorer.
Terminé, un protocole de piratage réduit la consommation de mémoire vive de votre prochain piratage rapide une fois. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce qui m'a fait? J'étais dans l'intelligence. Ah voilà. Piratage rapide, du coup, le piratage. La durée du piratage rapide de 25%. Les unités de la mémoire vive de la cyberconsole requise pour le piratage rapide d'appareils. Le piratage rapide inflige 50% de dégâts supplémentaires aux cibles prises par surprise. Déverrouille les plans de fabrication. Ok. L'image là, c'est en référence à Terminator. En tout cas, dans à Terminator 2. Référence à Blade Runner. Enfin, en plus, artisan Edge Runner, quoi. Vous permet de fabriquer des objets légendaires. Ok, ouais.
Alors, réflexe. Ah, l'âme. Ça m'intéresse pas mal. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on améliore de 1. Je pense qu'on va être pas mal réflexe, sang-froid, un peu technique et pas mal intelligence. Et les constitutions, on l'améliorera à chaque fois en dernier. Encore une référence à Terminator au niveau de l'image là. Ah, quoique Westworld. Ah, c'est vrai que ça. Ouais, ça fait très Terminator quand même là au niveau de l'image. Mais là, du coup, Westworld, c'est en référence à Westworld. Augmente vos chances d'infliger un coup critique de 10% avec les pistolets et revolvers entièrement modifiés. Ah, les pistolets, c'est pas pour moi. Les lames, par contre, oui. En fait, moi, ce sera assaut et lames que je vais améliorer. De 200%. Bon, en fait là c'est ma prochaine amélioration quoi. Enfin dès que je passe le... Ben, on va faire ça. Hein. Paf, ça y est, on l'a. C'était tout con. Et maintenant je peux acquérir. Ah d'accord, donc je l'ai pas encore acquis en fait. D'accord, ouais. Mais je l'ai débloqué. C'est bon à savoir. Ceci, c'est une référence à un film, mais je sais plus lequel. C'était quoi le nom? Très mortel.
Ok. On va prendre ça.
Voilà. En avant. M'informe que nous attendons un autre passager. Ouais, il arrive. Il a du mal à suivre. Franchement. Bienvenue dans ce véhicule de la Main. Avec de la Main, vos problèmes restent sur le trottoir. Putain de sa mère. Un peu qui vont y rester. Je ne vois aucune raison d'employer un tel langage. Ah ouais? Et la fois où j'ai voulu t'engager pour l'enterrement de vie de garçon de mon cousin, hein? Hélas, nous n'acceptons pas ce genre de contrat. J'avais économisé pendant 3 mois. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Fonce-t-elle? Avant le début de notre voyage, je dois vérifier l'identité de tous les clients. Veuillez connecter vos liaisons personnelles. Merci. Forfait Excelsior activé. Excelsior? C'est de mieux en mieux.
Excelsior. Le forfait Excelsior est conçu pour les clients d'exception. La qualité, c'est pas donné, tu sais. Regarde ça. De la main, active le mode de combat. Je suis navré, mais vous ne semblez pas courir de risque imminent. Non, tant pis. Tu peux me croire, il dégommera une armée de ninjas d'Arasaka s'il le faut. Ça comprend quoi d'autre, l'Excelsior ? Une couverture santé intégrale, comprenant le transport et le traitement de la dépouille d'un client en cas de décès à bord. Putain, ça plombe l'ambiance d'un coup. Ce mode de combat, c'est légal au moins ? Bien sûr, c'est garanti par le deuxième amendement. Tant que vous êtes à bord, vous êtes en droit de me porter et de m'utiliser. Dex, c'est pas foutu de nous, là. Au moins, on sait où passe une bonne partie de ces 65%. Là. Excelsior. C'est comme ça qu'on rêve d'entrer dans la cour des grands. C'est vraiment tout ce qui compte pour toi ? Hein ? Dex peut t'acheter avec si peu. Un costume et une limo. Je sais pas, Jack. J'ai un peu l'impression que t'es en train de te ramollir. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as un problème. Nous approchons de notre destination. Ouais, je m'en doute qu'on approche. On n'est pas invité à une petite fête, Jack. On va commettre un vol à haut risque, chez Arasaka. Sérieux, V ? Tu me prends pour un débile ? Il faut que je t'explique un truc, V. J'ai passé toute ma vie dans ce bordel qui nous entoure. Et il n'est pas question d'y retourner. Salut ! Ça roule ? Comme après s'être astiqué avec une rap. On devrait bientôt arriver à l'hôtel. Bon, j'ai établi une ligne cryptée directe pour vous guider dans le cône Peki. V, appelle Jackie, qu'on voit si tout est synchro. On n'est jamais trop prudent. Alors ? C'est brouillé. Tu peux dire un truc, Bug ? Les plus grands crimes sont commis non par besoin, mais pour satisfaire des désirs superflus. Quoi ? C'est d'Aristote. J'en déduis que tu captes bien. Toi, ouais, je te capte. Ton pote grec, un peu moins. Mais c'était passionnant. Tu devrais le lire. Essayer de méditer ça. Et de ton côté, V ? Continue avec Aristote, j'adore. Je vous emmerde tous les deux. Allez, pour la technique, on est bon. C'est la meilleure que si. On garde contact. Merci d'avoir choisi le réseau de la Main. Je vous souhaite bonne chance. J'attendrai ici jusqu'à votre retour. Ça y est, enfin. J'ai failli oublier, pas de crasheur, hein. Allez, Anna, on y va. Attends, je vais prendre le Flathead. On y va. On est devant, Bug. N'oublie pas, la réservation est à ton nom, Ramon. Bienvenue au Cône Peki. Rendez-vous avec Hajime Taki, le représentant de la branche tech militaire. Les documents, c'est pour le Flathead. T'inquiète, on gère. Bienvenue au Cône Peki Plaza. Veuillez former une file, s'il vous plaît. Ça marche, mon pote. Monsieur. Un instant, je vous prie. J'ai quelque chose. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous apportez de l'équipement militaire dans les locaux du Cône Peki Plaza ? On est des vendeurs d'armes. Quoi ? Ah, vous avez un rendez-vous avec Taki-san, c'est ça ? Je vous présente mes plus plates excuses pour cette erreur. Ça ne prendra qu'un petit instant, madame. Allez-y. Yokoso. Bonjour et bienvenue au Cône Peki Plaza.
On aimerait s'enregistrer. Mais bien sûr. Un instant, je vous prie. La réservation est à quel nom ? Victorino. Chambre double, deux adultes pour une nuit. C'est bien ça ? C'est bien ça. Parfait. Je vais aller prévenir Taki-san de votre arrivée. Merde, ça craint, ça fait pas partie du plan. Parle-lui, veille, gagne du temps. Je vous ai demandé de faire ça ? Non. Mais j'ai pensé que vous... Qui vous a demandé de penser ? Méthode de Stan... Pardon ? Staniel... C'était certainement pas moi. Zelaski. J'ai pas réussi à prononcer. Laissez-moi vous donner un conseil. Stanislavski. Évitez les initiatives. C'est un trophée que je viens de débloquer. Bon, c'est quoi notre numéro de chambre ? Vous avez la suite Lapis-Lazuli, au niveau 42. Oh, une dernière petite formalité. Veuillez valider votre puce SID. À toi l'honneur, Anna. Tout est en ordre, merci. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci. Vaut mieux y aller. T'y es pas allé un peu fort ? Crois-moi, dans ce genre d'endroit, faut se faire respecter, sinon on est personne. T'en dis quoi, Anna ? Hmm ? C'est coquet. Pas comme notre hôtel à Zurich pour la dernière convention. C'est bon, Jack. Arrête ça. Quoi ? Je prends mon rôle très au sérieux. Le mieux payé du monde. Je l'ai passé. Je sais pas. C'était assez hardcore. C'est le bar a pas l'air trop mal. Elle se souvient. Bienvenue au Konkeki Plaza. Nous ne prenons pas de réservation en semaine, alors choisissez la table qui vous plaît. À moins que vous ne préfériez vous asseoir au bar. Je viendrai peut-être avec Misty un jour, quand on aura bouclé cette affaire. Toujours y jeter un œil. Merde ! J'ai l'air d'un putain de colporteur avec cette mallette. Je monte. Quand je dis que des têtes vont tomber, c'est pas juste façon de parler. Vous croyez pas que vous avez assez bu ? Vous mettez les autres clients mal à l'aise. Tant mieux ! Parce que ça les affectera aussi ! Ça éclaboussera tout le monde ! Le barman a raison. T'as ton compte pour aujourd'hui. Sûrement. Et puis, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais aller dormir un peu. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers, beauté ? Beauté ? Et si vous me donniez déjà votre nom ? Comme ça, je saurais de qui me plaindre à votre superviseur. Qu'est-ce qui vous fait croire que je travaille ici ? Vous vous tenez devant moi ? Vous savez à qui appartient Konpeki Plaza ? Non. C'est étrange. Personne ne le sait. On dirait que c'est un fantôme. Mais qui que ce soit, il aime que ce soit impeccable ici. Que ça brille. Peut-être bien. Peut-être bien qu'il se préoccupe tellement de la qualité du service qu'il se fait parfois passer pour le barman. Ouais. Et pourquoi il ferait ça ? Je sais pas. Pour garder un œil sur ses affaires. Empocher quelques pourboires. Non, tu racontes que des conneries. Eh bien, on est deux dans ce cas, tu ne crois pas ? Je vous sers quelque chose ? Au moins, de l'eau ? Faites voir ce que vous avez. Tout de suite. Le mec qui a voulu se faire passer pour le bar, enfin pour le dirigeant de l'hôtel, du Konpeki Plaza. Leur eau minérale, elle est à genre à 500 $ ou quoi?
Tac. On est arrivé. 42e étage, ok. C'est pas trop tôt. Ah bah il est là. Nickel. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда... On est dans notre chambre. Plutôt classieux. Dommage qu'on reste pas dormir. Pas mal. Super choix, Bug. Je l'ai pas choisi pour sa classe. Elle offre l'accès le plus rapide aux résidents et aux serveurs. Si, si, mais à quoi le droit? Maintenant, démarrez le flathead et trouvez l'entrée du conduit. Ça a pas l'air trop dur. La simplicité est parfois la route la plus difficile. C'est qui cette fois? Par Corel, Aristote? Celle-là? Elle est de moi. Il est où le conduit? Lance ton scanner et cherche tout autour. On a un gagnant. Super. Jackie, ah, c'était très compliqué de le trouver, hein, franchement. J'avais absolument pas vu qu'il était devant moi. Alors. Système opérationnel. Charge à 100. Merde. Fais chier, il est coincé. Vous allez rester là à le regarder galérer? C'est très très la grimace, hein. Attention. Mais, prends les clés de contrôle de Jackie. Je vais connecter tes Kiroshi à la vidéosurveillance pour que tu guides le robot. Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi de l'insérer? Vic me fait pas crédit à moi. J'ai un vieux micro-logiciel avec un flux de données trop lent. Allez, Chica, on n'a pas toute la journée. La surveillance couvre tout l'hôtel? Ouais. Même les plumards des suites. Ça dérange pas les clients? T'imagines pas à quoi les gens sont prêts à renoncer pour se sentir en sécurité. Heureusement pour nous, Yorinobu est une exception. Le penthouse est dans le noir, aucune sécurité. Tiens. C'est parti. Je te passe en vue caméra. Ça va sûrement te désorienter un peu, mais panique pas. Ok, j'ai un bon visuel. Vous ne pouvez pas mettre les gens à la porte de chez eux. Emmène-le au conduit suivant. Leur lieu de travail comme ça. Arasaka couvrira les dommages et intérêts en intégralité. Ce n'est pas une question d'argent. Les élections approchent. De quoi je vais avoir l'air? Les gens vont commencer à dire que j'ai perdu le contrôle de Watson, mon propre quartier. Une semaine, c'est tout ce qu'on peut vous promettre. On essaiera. Et c'est tout ce que je peux vous promettre. C'est bon, le flathead est entré. Je te connecte à la caméra suivante. Pourquoi tu crois que c'était pour toi? C'était adressé à la gentille femme de ménage qu'il trouverait. Le mot disait « Désolé pour le désordre ». Bug, j'ai un souci. Mais il a laissé un pourboire au moins. Une femme de ménage sur le chemin. Faut détourner son attention. Voyons ce qu'il y a sur le sous-réseau. Ok, ça marche. Le terrarium a un régulateur de température et de qualité de l'air. Je crois qu'il est célibataire. Premios, envoie-y le flathead. Tu sais bien, le beau gosse super riche avec un regard coquin. Celui qui occupe le penthouse. Tu parles de Yorinobu Arasaka? Les types comme lui sont toujours célibataires. Il porte un costume hors de prix, mais c'est un biker dans l'âme. Toujours prêt pour une nouvelle chevauchée. Moi, je le laisserais bien me chevaucher. Commence déjà par essuyer ce verre. Regarde ça, tu laisses des traces partout. Ah, Kat, y a un problème avec le terrarium. Hey, Bug, ça a marché. Et t'as encore rien vu. Mais... tu sais seulement combien ça vaut, ces trucs. Continue d'avancer, on se félicitera plus tard.
Ok. Le résident est derrière la porte. Le flathead peut forcer la serrure. Ça a l'air d'être safe. Galère, on dirait. Voyons. Merde. Voir. Il doit y avoir un autre accès. Laisse-moi réfléchir. Il y a une autre caméra de l'autre côté de la porte, mais elle est coupée. Tu veux que je l'active ? Ouais, cherche un port de vidéosurveillance. Voilà, c'est fait. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Il est à l'intérieur. Comme prévu. Mais c'est bizarre que cet hôtel ait qu'un seul runner. Un bon résident fait aussi bien que 10 runners de base. Le flathead devrait pouvoir le neutraliser. Bonne idée. Laisse-moi greffer un démon sur ta connexion. Et tu sais que tu dois connecter le flathead directement à son fauteuil, hein ? Vas-y, fais-moi passer pour une débutante. C'est bon, envoyé. Il est à toi. Mais tu vas d'abord devoir faire entrer le flathead. On dirait que le conduit relie les deux pièces. On va vérifier ça. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Je crois qu'on a trouvé notre entrée. Envoie le flathead là-bas et passe sur la seconde caméra. Comme si c'était pas évident. Oh là là. Maintenant, passe sur l'autre caméra. V, connecte le flathead au fauteuil. Surprise, motherfucker. Ouais, on l'a eu. J'adore ces démons. Le flathead reste là, hein? Ouais, pour surveiller le résident. J'entre dans le réseau principal du cône Peki. Tu peux te déconnecter. Ainsi est-ce qu'on sait assez. Comment tu te sens? Oula, ça déconne. J'ai juste la tête qui tourne. Bug, t'en as encore pour longtemps? T'es là, Bug? Ouais, je suis là. Bon, écoutez, la glace est plus épaisse que prévu. Ça va me prendre quelques heures pour la percer. Quelques heures? Y a pas moyen d'accélérer? Tu veux que ma cervelle grille ou quoi? Osez-vous et profitez de votre suite de Bourges. Compte sur moi. V, détends-toi, ok? Essaie de te reposer. Qui a renoncé à quoi? Yorinobu Arasaka. Il a renoncé à la belle vie. Ça date, je sais. C'est juste que... je me demande. C'est comme... imagine. T'as absolument tout, tu vois? Les édits, l'éducation... Ton vieux peut transformer la moitié du monde en désert nucléaire d'un claquement de doigts. Mais toi, au lieu d'en profiter et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un putain de gang. Les dragons d'acier, machin. T'abandonnes ta famille, tu te fais poser de la real skin, et tu joues les chefs de gang pendant des années. Pourquoi? Tu l'as dit toi-même, on peut chasser le rat de la corpo. Mais jamais on chassera la corpo du rat. Il devait se faire chier. C'est ce qui arrive à tous les gens pleins aux as. C'est qu'un putain de touriste. Touriste ou pas, il vient d'entrer dans le hall. Les affaires reprennent. Sécurité du penthouse neutralisée. Perfecto. Que le spectacle commence. D-Bug, t'es resté à l'écoute tout ce temps? Pendant 3h30. À propos de ce balai d'enculé. Celui que j'ai dans le mien? Je le pensais pas vraiment, tu sais. Je sais. C'est le moment de te faire pardonner. Thank you.
Ça se passe plutôt bien, non? Tu trouves pas? Waouh, t'es du genre optimiste. Hey, tu vas te décider à chasser ces nuages noirs au-dessus de ta tête. Fais-moi confiance, ça va aller comme sur des roulettes. Ah, c'est angoissant ce silence. Hey, vous voulez en entendre une bien bonne? Maintenant? Sérieux? Ok. Alors vous savez ce que c'est, le cri du cybercochon? Groum, 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 groum. Putain, achevez-moi. C'est pas mal. Ah, mais je reconnais cet endroit. Je le reconnais cet endroit. C'est mieux que d'être le fils de Raoul Wells. Hé, hey, on se concentre, le coffre. Émaniez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? J'ai perdu le signal de Yorinobu. Merde, c'est un putain de sorcier ou quoi? Il doit être dans un angle mort. Je le récupérerai dans quelques secondes. Faites votre boulot. Lego, il y a un truc qui sort. Avec toi. On dirait que Yorinobu nous a laissé un cadeau en partant. C'est pas mal le flingue. Oh, ils sont cons à mettre le bouton rond au même endroit que pour s'accroupir. Ouais. Des visiteurs arrivent en avis. Bug. Je sais pas qui c'est, mais le personnel s'agite. 200 employés, ça court de partout. J'aime pas trop ça. T'as bientôt fini, T? Merde, Yorinobu va vers le penthouse. On s'en fout! Ouvre le coffre! J'y suis presque. Voilà! Premios! Alors voyons voir ça. La relique est intacte? Intégrité du bio-éclat, 100%. Ça doit vouloir dire oui. Parfait, on y va. Merde, trop tard! Yorinobu va entrer! Planquez-vous! Où? La grosse collade, là! C'est une blague ou quoi? Non! Entrez dedans, vite! On est entré. Mais ça résout pas notre problème, T. Je sais bien qu'on a toujours un putain de problème. Laisse-moi réfléchir une seconde. Impossible! C'est pas Adam Smasher. Un garde du corps. Pire. Une légende de Night City. Et plutôt du genre trash. On la joue comment? On attend. Est-ce qu'ils sont là? Ils arrivent de la zone d'atterrissage. Putain, mais de quoi ils parlent? Bug, qui est-ce qui se ramène? Oh non, j'y crois pas. C'est pas possible. Saburo Arasaka? L'empereur. Encore une putain de légende. Chut. Cette cabine-là est pas insonorisée. Ore no koto ni wa kanshou suru na to itta hazu da. Merde. Hazushite kure. Arasaka-sama. まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。
例のものを回収しましょうか。私がやる。行ってくれ。C'était chaud. Un peu trop. S'il nous a fait griller. Il nous a pas vu. Alors Kayate. Putain, j'y crois pas. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka. そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思っている。傲慢だよ。よりのよりのどうしてここへ。じきじきに俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡せなど。私たちの未来を俺たちの未来、俺たち、なんかの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。プッタン、これでもう誰のことも許す必要はない。Merde, mais c'était le vieux qui aurait dû buter le jeune, pas l'inverse. Fais chier. Bordel. Assez sourd. Et pas mal du tout la musique. Je voudrais que l'hôtel soit peuplé. Puis-je savoir pourquoi? Saburo Arasaka a été assassiné. Code rouge déclenché. Votre attention. Le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel.誰かが実に毒を持った。毒を、そのようだ。ヨリノブさん、しかし une grosse fissure là sur le mur. Bah, ça a disparu comme par hasard. 何の話です。単純な質問だ。答えろ。アラサカ家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。お許しください、アラサカ様。決して失望はさせません。うんふん。Putain, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Yorinobu, il vient de buter Saburo. Quoi? Son propre père. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va grouiller de garde en moins de deux. Oh putain, on est dans la merde.
Yorinobu, il est où? Je sais pas, j'ai perdu la liaison avec les caméras. Ils sont en train de boucler tout le bâtiment. Ok, j'ai trouvé. La tête, vite! Je la déverrouille. Vous devriez voir une échelle. Échelle? Oh merde! Non, 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 pas maintenant! Ils l'ont trouvé! Oh putain de merde! On a perdu qui? Putain! La cour des grands, putain! Tu prends ton pied là, Jackie? Go, go, go! Je vois deux gardes! Il va falloir s'en sortir. Quelque chose de trouble a eu lieu? C'est le cas. Takemura-san, tu n'as pas de contact. Qu'est-ce qui se passe? Attention, madame! Mais il fait quoi, Jackie? Je pensais qu'il allait le neutraliser. Oh là là. Eh bah putain, Jackie Simon, il a mis 3 plombes à réagir. Putain, enfoiré. Ah, suffisait que j'attende. Oh là là, c'est abusé. Attention! Allez, allez. Bingo. Faites attention! Oh, le katana! Oh oui! D'accès non autorisé détecté. Restez où vous êtes. Le personnel de sécurité sera bientôt là. Chingada madre! Il faut qu'on se tire d'ici! Ah ben voilà! Et oh le jeu! Mais oh là là! On peut même pas récupérer ça! Mais c'est quoi ce bug là? Oh là là, fallait faire ça. Oh, oh c'est nul. Alors. Bon, on percera la sécurité plus tard.
Qu'est-ce qu'il fait, lui? Allez, dépêche! C'est sacré beau, on empêche! Merde! C'est la trauma! S'ils viennent pour sa bourreau, c'est trop tard! Putain, j'espère qu'ils nous ont pas vus! Ok. Au calme. Tout va bien. On est costaud. Alors, vite, tire-toi avec la relique du con. Ah bah c'était bien la peine, oh, tu l'as niqué. Merde. Bah oui. C'était chaud. La relique. Bah oui, du con. Madres. Non. Oh, c'est pas bon, ça. Non. Oh. Comment est la biopuce? Je sais pas. Conteneur dépressurisé. Intégrité de la biopuce à 94%. Mais ça descend. Carajo. Parker, appelle-la. Pour dire qu'on a bousillé la mallette. Fais-le aller. V, on parle que du Konpeki aux infos. Qu'est-ce qui se passe, putain? On a un problème. La mallette cryo est endommagée. L'intégrité de la biopuce est à... Jackie. 86%. 86% et ça descend. Merde. Bon, écoute-moi bien. Y a plus qu'une chose à faire. L'un de vous doit insérer la relique dans son port neural. Ça m'a l'air un peu risqué. Plus vous attendez, plus on risque de la perdre. Bon. Un de nous doit s'y coller. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿ça va? Je sais pas. Je crois. Je sens aucune différence. À votre tour, on retirera la relique et on lui fera un scan cérébral complet. Mais pour ça, vous devez vous grouiller de sortir de là. C'est ce qu'on essaie de faire. Del, on arrive. On sera là dans pas long. Tiens-toi prêt, ok? Très bien, monsieur Wells. Vaudrait mieux, putain. Là, il faut trouver comment rejoindre le hall. Allez, allez. C'est le seul moyen d'accéder au garage. Il vaut mieux pas traîner. Ouf. Ahora sí. Super. Allez, on s'arrache de là. Le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Je vais m'accroupir, putain, je veux pas skipper. Oh là là. Elles sont dans le hall. $700,000 par mois pour la deuxième.
Pekki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Cette les combattants les flammes ont déjà perdu la vie. Et 40 autres ont subi de graves brûlures. Rends-toi, n'a aucune chance de t'échapper. L'Académie suédoise a annoncé que son prix de littérature revient cette année. Mais qu'est-ce qu'il fout, Jackie? Mais... pareil, je découvre des trucs de piratage qu'on n'a jamais vu. Oh là là, oh. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? C'est des Project Red, votre système de piratage. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous le changez toutes les deux minutes, là. Oh là là. Après, faudra. Ce sera quoi, la roulette russe? Le Compeki Plaza a été placé en alerte rouge. RAS. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions. On va descendre. Qu'est-ce qu'il fait un discretos? Les forces d'élite? Elles sont dans le hall. Elles vont ratisser tous les étages. Allez! Regarde ce qu'on a là. Le silencieux sera utile. Là que tu te rends utile, toi, maintenant. Fais gaffe. Maintenant que j'ai fait le café. Ok. Attention. Votre attention. Le Compeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Ça servit à quoi? On sait pas. Mais je veux bien me planquer! Arrêtez de mettre le skipper sur rond! Je peux pas m'accroupir! Oh là là! Oh mais quelle bande de blaireaux! Ils peuvent pas nous faire croire que. Ils y ont pas joué là, ils l'ont pas testé leur jeu, c'est pas possible! Oh là 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 là, l'erreur de débutant quoi! Surveille l'endroit, fais gaffe! Ah putain.
C'est quoi ce checkpoint tout pété là? Bon, je reviens, j'ai cherché un truc à boire. Heureux. Bon, cette fois-ci la manette est rechargée à fond, je peux la débrancher, hop. Continuez à vous aider, n'arrêtez pas. Ne foutre la paix, Cognos. J'irai pisser sur ta tombe.
contact. C'est pas ça qui va m'arrêter. Oh là là. Ça fait déjà une heure qu'on est sur ce niveau-là. Et on recommence ici en plus. Oh là là. Quoi, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis un checkpoint à cet endroit-là et pas avant? Oh. Ils auraient pas pu le décaler de 2 cm le checkpoint, non? Pourquoi derrière l'ennemi? Mais c'est ridicule. Alors, ou alors c'est une sauvegarde auto. Oh là là. Mais surtout, c'est pas, ça peut pas être une sauvegarde auto. J'ai jamais fait ça derrière lui, le mec. C'est un checkpoint à la con, ça. Quoi? Oh là là! Tellement mal branlé.
tu vas le payer. On va. On va les défoncer. J'en ai marre de ce checkpoint, donc on va sauvegarder ici. Ah putain, et la fenêtre. Ça c'est pas la fenêtre, c'est la porte. Pousse-toi, Jackie Simon! Vous feriez mieux de foutre la paix, cogneau! Contact! Joli! Je l'ai eu. Continuez de tirer.
C'est bon. Putain, les vitres, elles font même pas de bruit quand tu les détruis. Ça vient d'où ? Vous feriez mieux de foutre la paix, Cognos. On va partir par là. Ok, l'autre il était là-bas. Oh là là, tout ça pour ça. C'est quoi, Jackie? Oh lolo, hey, Jackie Simon. Qu'est-ce qui branle, Jackie? Oh lolo lolo. Il n'y a pas que l'IA des ennemis qui est merdique, hein. Celle des alliés est aussi, hein. Pas qu'un peu. Hey, des caméras. Pour recommencer ici, oh là là, sérieusement. Tu fais quoi là en fait, mec? Tu chies?
Jackie, garde tes forces. Et tu crois que je fais quoi? Allez, détends-toi, V. On va s'en tirer. Va dire ça à Bug. Elle serait peut-être encore en vie si on avait été plus prudent. Passe pas tes nerfs sur moi. Ce qui doit arriver arrivera. C'est le putain de sac à PV là. Ça m'enlève de la vie petit à petit, costru. Recul de merde là. Putain! Ok. Ok, ok. On va prendre...
Oh putain! Et saute. Et ressaisis-toi. Ça y est, enfin! Pas trop tôt! Allez, je t'ai T-Bug. Robot de merde. Alors. On va faire un autre truc. Voilà. Thank you.
Servez! Vite! Allez! Toi, dépêche-toi, moi je suis déjà dans l'ascenseur là, allez! Je perds du sang! Attention, elle est pas loin! Oula! Attaque contre les biens de la corporation! Je vous conseille de monter dans ce véhicule sans perdre de temps. Cible blessée! Elle a des putains de mods! Ah, oh, sérieux. Allez, on veut le finir là, on veut finir ça. On l'a fini, c'est bon. Alors, mur invisible. Ah ouais, alors je peux pas passer parce que c'est rouge. Je comprends pas. Bizarre. L'ascenseur, mais vite. Ta gueule. Allez, allez, ta gueule.
Dépêche-toi, les gros lards. Je perds du sang. Je crois bien qu'on n'a pas le choix, faut monter dans la voiture. Je dépense trop de munitions sinon. Allez, dépêche-toi, allez, oh là 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 là, allez, on se dépêche. Allez, bouge ton petit cul. Je perds du sang. Allez. Des problèmes, on va en avoir. Tu penses pas vite fait.
Pas mal. Commentaire client noté. La caisse est dans quel état? En excellent état. Mais nous sommes poursuivis, hélas. Veuillez rester calme. Oh merde, pas lui. Un appareil ennemi hostile nous a verrouillés. Je m'en occupe. Laissez tomber! Jackie. Tu vois, je t'avais dit qu'on s'en sortirait. Mon diagnostic médical indique que Monsieur Wells est dans un état critique. Conduis-nous chez un charcutoc, maintenant! Toutes mes excuses, ce ne sera pas possible. Notre itinéraire a été prédéfini et payé d'avance. Aussi n'ai-je pas la liberté de le modifier. Rien à foutre! Fais ce que je te dis! C'est bon, V. Je tiendrai le coup. Je vous conseille de garder Monsieur Wells conscient. Ça va aller. Tu vas revoir Misty, ta mère, tous les gens que t'aimes. Jackie, garde les yeux ouverts. Misty, elle savait. Elle sait toujours. La biopuce. Prends-en soin pour moi. Excelsior comprend le traitement des dépouilles des passagers sans surcoût. Il suffit de m'indiquer une destination. Laisse-moi juste une seconde, ok? Où souhaitez-vous que je conduise la dépouille de Monsieur Wells?
voudrait être avec sa famille. Le parent le plus proche de Monsieur Wells est Guadalupe Alejandra Wells, propriétaire du bar El Coyote Corro. Je veillerai à lui remettre la dépouille. Monsieur de Chaune vous attend dans la chambre 204. À bientôt dans la cour des grands, Jack. Il t'attend. WNS, N54, même les réseaux pirates. Tout le monde parle de vous deux. Et l'ami Jack alors, il est dans la voiture? Ouais, il y est. Mort. Mes condoléances. Et la relique? Je l'ai juste là. C'est ce que je craignais. Quoi? Saburo Arasaka. Il est mort. T'as une idée de la merde dans laquelle tu m'as mis? T'as buté l'empereur! Sa putain de majesté! Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette histoire sont morts! C'est vous qui nous avez foutus dans ce merdier! Vous l'avez préparé comment, ce plan? Vous saviez pas que Saburo Arasaka serait à l'hôtel? J'ai pas accès à son putain d'emploi du temps personnel! Et puis personne vous a demandé de buter le vieux! C'était pas nous, putain! Sans blague, tu diras ça aux ninjas d'Arasaka qui vont te coller au cul! Allez, calme-toi. Va falloir agir avec stratégie. Parker, les édits. Et après, on quitte cette ville. Mais d'abord, ton visage, il est couvert de sang. T'as une salle de bain, là. Allez, va te rincer un coup.
pas le choix, mais... Tu te souviens de notre première discussion? Je préfère mener une vie paisible, finalement. Pas de mort spectaculaire pour moi. Salut. Tu vas bien? Oh, mieux que jamais. T'en as pas l'air. Désolé, je peux pas te laisser passer. On se calme. Ah, du coup, là, on est Johnny Silverhand. Bien sûr, tu plains. Ce soir, je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème? Une danse sensorielle? Super, on peut parler. Johnny, attends! Fais pas ça! Tu peux encore changer d'avis. Viens par ici, vieux. Ce groupe est naze. C'est ni ton public ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. On se reverra en enfer, mon pote. J'adore quand t'es en run comme ça. C'est super excitant. Allez, monte, avant que je change d'avis. Silveren. Salut, Shaitan. C'est bon, on décolle. Tiens, mets ça. Il n'enlève pas, ok? Sont en feu. Tout Pacifica a été bouclé. Il y a des blindés dans les rues de Watson. Les fils de pute! Le bordel là-bas. C'est nous? Une idée de Johnny. Welland attire l'attention d'Arasaka loin de la tour. Les dommages collatéraux, ça fait partie du plan? On est pas chez les scouts, Thompson. Des fois, c'est avec la boost. Portée. En voilà tous.
tirez, putain! Poser la charge dans l'ascenseur, l'amorcer et laisser la gravité faire le reste. L'explosion secoue les fondations du bâtiment. La tour s'effondre, panique générale, hurlement, fin. Je me connecte. On n'a pas le temps de s'amuser, Murphy. Arrête ! L'alerte d'évacuation. Diffuse-la sur toutes les fréquences, et après on se bouge. Vache! Qui c'est qui a écrit ce manifeste? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Bah putain, Johnny, t'es plus en phase avec la réalité. Et c'est une consolade comme moi qui le dit. Allez! Ils veulent crever! Tiens-toi prêt! C'était quoi le nom de la bombe dans Bushido 2? Dépêche-toi! Faut qu'on dégage! Le démolitron. La bombe est prête. L'élite d'Arasaka arrive! Tire-toi vite! Tire sur les câbles! Chauffez les rotors! On débarque dans pas longtemps! Pas fini. Je dois encore mettre ça sur le sous-réseau. J'en étais sûr, putain! C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein? C'est toujours pour ta groupie, c'est ça? Oh non, tu comprendrais pas, Rogue. Chier! T'as 4 minutes. Après ça, on se tire et tu te démerdes. Verrouillage de la plante désactivé. Les trous de balles d'Arasaka arrivent. Je t'adore, Spider. Tout le monde m'adore.
approche du point d'accès. Connecte-toi. Sympa le brise-glace, c'est de l'import. Si seulement quelqu'un savait comment changer le protocole du sous-réseau. Très drôle. Tu vas m'aider ou pas? Besoin de mes services? Ah, mais il suffisait de demander. Merci, Murphy. Et maintenant, pour la forme. Putain de ta cybermère, on passe à la télé. Nous tournons à présent vers la tour Arasaka, en cours d'évacuation, suite à de terribles menaces de la part d'une organisation terroriste non identifiée. Cette dernière affirme vouloir, je cite, « renverser un symbole du colonialisme corporatiste ». Mbole Ebunike, le maire de Night City, a déclaré que tous les moyens seraient mis en œuvre pour enrayer et éradiquer la menace terroriste. Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial sur place. Espérons qu'il parvienne à faire la lumière sur ces événements à mesure qu'ils se déroulent. Tout est paré. Bon, allez, cassos. Ah, en fait, c'est Final Fantasy VII. Il grimpe. Dépêche-toi d'atteindre le toit. On fait péter... au lieu de faire péter une centrale, on fait péter une tour. Trop lolo, on est trop des rebelles, wesh. Ah bah, l'air con, là. Ah, surprise, motherfucker. La porte est verrouillée, mais elle tiendra pas longtemps. Fonce, Johnny, à toute vitesse. Johnny, bouge! Mais encore. Oui, まだ 生きています. わかりました. 向かいます. On va réessayer. Tes associés, qui sont-ils? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic? Un peu, hein? Allez! À quelle organisation terroriste appartiens-tu? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Hey, papy, je te connais. Azuse, chokusetsu hanashi o suru. Ah, il y a une bombe nucléaire au loin. Je viens de voir ça. Oh, excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Mais il y a des choses pires que la mort. Putain, mais c'est qui elle? J'ai pas fait gaffe. Ah, ok, ouais. Juste une scientifique à la con. Naze kono yona koto. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. Hito wa uso tsuki, jibun jishin o azamu. だが死者は違う。死者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には慎ましさがある。
始めろ。 Qui ? Vache, elle est lourde. Bon, écoute, mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on négocie. Ah, de ton cul, gros lard. Arasaka-sama, otō-sama no sasugai-han o mitsukemashita. Kono onna de machigai arimasen. Hai. 1時間後には着くかと。 Tais-toi. Thank you.
Tu es mon sang. J'ai besoin de toi. Il est invincible. Il explose tout seul, lui. Ne ferme pas les yeux. Oh, merde. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcutoc de confiance? Je les ai déjà vus. Troy. Les exterminateurs. Nous devons aller voir un charcutoc. Vite. Tu t'en es bien sorti. Ne perds pas de temps. Victor. Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux? Pourquoi? Pourquoi tu me laisses pas tomber? Je suis un poids mort pour toi. Passe l'appel. Oh, ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Mystis, Esoterica. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille, mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, elle mourra. Certes, mais elle mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez la connecter.
Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas te tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang ? Misty ! Sa pression chute ! Choc neurogénique, nous la perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. Mais encore, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Elle se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. Il y a intérêt, ouais. Tu peux me les décrire? Des projecteurs. Beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis rempli de... de haine. Et puis, je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagé. Après, ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, y a pas de quoi se marrer. Night City avait l'air... différente. Bizarre. Et je la détestais. Je détestais tout. Et tout le monde. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Attends. T'es en train de me dire que j'ai un terroriste dans le crâne? Là? Maintenant? Tout juste. Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire il y a une cinquantaine d'années. L'attentat chez Arasaka. Ça te parle? C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Ah, enfin, c'est pas le plus important pour le moment. T'as mieux que le terroriste que j'ai dans le crâne. La biopuce, c'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand Max, le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. On a le cancer. En phase terminale, MDR. Je crois pas un mot de toutes les conneries que tu viens de Alors. Me dire. Tu sais pourquoi ?
que tout ça, ça n'a aucun putain de sens. Je sais pas ce qui m'arrive, mais il y a une explication logique. C'est obligé. Il y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider? Tu veux la version longue ou abrégée? Dis-moi tout, dans les moindres détails. Ok. Il y a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as inséré dans ton port, mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter de Shawn. Mais comment on se relève d'un truc pareil? Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur de Shawn. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont prise par la main et gentiment quittée vers la lumière. V? T'es le docteur Victor. Et moi, je suis ta créature. Ton corps est qu'un outil. Tu peux le modifier, lui greffer du chrome. Tu peux même en changer, si tu veux. Et ton esprit... Oh... Ça, c'est une autre paire de manches. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps, une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors... Cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer. Il veut prendre mon corps. Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. On peut pas juste enlever la puce? Ou la désactiver? Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Putain. Je connais ce truc. Ils en font la pub. C'est quoi déjà le slogan à la con? Machin votre âme. Protégez votre âme. C'est ça. C'est simplement censé te permettre de parler avec des constructs. Peut-être. Mais celui-ci, c'est un prototype au vu de la finition. Sorti je sais pas comment des labos d'Arasaka. Vic... T'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu peux me le dire, Vic? Si seulement je le savais. Misty! Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V, je te ramène chez toi. Donc on va rentrer chez nous comme ça, au calme, alors qu'on vient de faire des actes terroristes. Hein. Personne ne va nous rechercher. Absolument personne, voyons. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Au calme. On rentre chez nous. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillée ou pas, là. Après tout... Je suis peut-être déjà morte, non? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endotrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus, libérer la bête, si tu veux. Tu me files des cachetons pour booster ce fils de pute, pour qu'il me bute plus vite. Écoute, tu vas te sentir bien au début.
Mais au bout d'un moment, ça risque de devenir un vrai calvaire. Je t'offre juste une option, mon chou. On peut tromper le cerveau. Suffit d'un bon analgésique. Ta psyché va mourir, V. Tu vas avoir l'impression de te sentir partir. À un moment, tu te reconnaîtras même plus. Ce sera terrifiant. Et même douloureux. Mais avec ça, ça peut bien se passer. Pourquoi prendre des médocs ? Autant me mettre un flingue dans la bouche. Presser la détente. Oui, mais tu tuerais deux âmes. C'est vraiment ce que tu veux ? Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça fera un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir. T'es pas au courant. Je suis en phase terminale. Alors à quoi bon ? Faut pas dire ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ne laisse personne te dire le contraire. Tu crois vraiment que je peux m'en sortir vivante ? Évidemment. Après tout, tu es déjà morte et revenue à la vie, pas vrai ? T'es un ange, Misty. Merci. Bonne nuit, V. Fais de beaux rêves. Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Hey, il me faut une clope. Où tu planques ton paquet? Génial, on est schizophrène maintenant. Je fume pas. Alors va en acheter, bordel, il m'en faut une. La dernière. Oh putain. Oh putain. Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher? Putain, mais disparais. Réponds-moi. Merde. Merde. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête. Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends ? Va te faire foutre, sale connard ! Non, pas comme ça.
Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends? Putain, je gerberais si je pouvais. Non, c'est juste une copie de mon engramme. Je suis forcément ailleurs, c'est obligé. Fous-moi la paix. Tire-toi! Sors de ma tête, putain! Du plomb dans la tête, c'est le seul remède possible. Tu m'entends, pétasse? Fous-toi une balle dans le crâne! Oh la vache. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai 4 points dans mon bras? Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. On peut pas reposer. Voilà.
Maintenant, comment je fais pour reposer ? Ah, ok.
Ici Takemura. Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Dyna. Mm-hmm. Et pourquoi j'accepterais? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Tom Zedina, j'attends. Merde. Mm-hmm.
in your way, Night City. But soak in that sun while you can. There's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. When danger lurks, trauma team will be here. Sign up for our platinum plan today, because your life is worth it. 9999 trauma team. Don't forget, you're worth it. C'est quoi alors l'odeur? C'est vrai que vous êtes 50 dans ta piole. On s'habitue au bout de 15 minutes. C'est un dégât de la piole, il est mort. Quoi ? Il dormait sous un tas de couvertures. Du coup, là, ce sera tout pour ce soir. On continuera ça demain, très certainement. Voilà, je vous dis à très bientôt tout le monde. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi que de follower la chaîne Twitch, de mettre un j'aime, donc un like, de partager un max. Et puis moi, je vous dis à très bientôt tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, j'ai pas trop parlé parce qu'il y avait pas mal de passages où ça parlait de pseudo-cinématiques. C'était pas vraiment des cinématiques, mais enfin, si c'était des cinématiques, mais de passages où les personnages parlaient entre eux, tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, comme j'étais un peu seul, il n'y avait pas Krix ou même Krix qui était là, donc forcément. Je préférais pour le moment écouter les dialogues entre les persos. Voilà. On essaiera de faire d'autres choses à côté. On essaiera de faire des à côté au niveau des missions et tout ça, et même de se balader un peu. Et pas de suivre que la mission principale, évidemment. Ça me permettra également de parler un peu plus. Du coup, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt, tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao.